Wesh l'équipe, c'est Zyter. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve sur GTA 5 Online pour une toute nouvelle vidéo glitch. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment avoir l'une des meilleures tenues modées qui est tout en verte. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Je voulais juste vous remercier car on a réussi à passer les 100 abonnés. Je pensais pas qu'on allait les atteindre aussi rapidement, mais merci en tout cas à vous, je vous remercie et on va passer tout de suite à la vidéo. Dernière petite chose avant de commencer la tenue tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse atteindre le palier des 200 abonnés. Donc là actuellement on a 111 abonnés, ça me fait énormément plaisir, plus que 89 personnes à s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Bref, pour commencer, donc là on va faire une des meilleures tenues modées en vert tout simplement. Donc là pour commencer on va se rendre directement dans les hauts, donc qui est juste ici, vous allez là. Une fois dans les hauts, donc là on va aller dans les par-dessus, donc vous allez juste descendre, ils sont juste ici, par-dessus. Une fois par-dessus, donc là on va équiper le parka fermé clair forêt, donc là vous l'équipez. Une fois que vous l'avez équipé, donc déjà on va ouvrir la veste, donc là vous allez dans style, vous allez descendre un peu. Voilà, veste, vous allez le faire ouverte. Une fois que vous avez équipé la veste, on va aller directement aller dans les pantalons. Alors, une fois dans les pantalons, donc là, on va équiper les trailies. Donc, c'est important d'équiper celui-là. Donc là, on va équiper le trailie ample clair forêt, donc ce qui va mieux avec le haut. Donc là, vous l'équipez. Une fois qu'on est parti tout simplement dans les chaussures, donc là, on fait flèche de droite. Alors là, on va aller dans les bottes. Donc là, on va chercher des grosses bottes. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc c'est les bottes tactiques olive. Donc c'est celle-ci, il faut tout simplement les équiper. Une fois que vous avez équipé les bottes, donc là tout simplement on va aller juste à côté, donc c'est juste à côté, on va aller parcourir dans les accessoires et on va mettre des gants. Donc c'est celle-ci, les tactiques clair forêt, donc c'est les 464. Donc on va mettre tout en mode camouflage forêt, c'est le but de la tenue tout simplement. Donc là on va les équiper. Alors une fois que vous avez équipé les gants, donc là vous allez juste sauvegarder votre tenue une fois de plus. Donc j'ai juste changé de magasin entre temps. Alors donc là on va aller dans les tenues de braquage, donc c'est celle-ci, les tenues braquage combinaison. Donc là on va équiper une tenue de braquage, donc on va équiper la fumigation. Et une fois que vous l'avez équipé, on va se rendre à un télescope. Une fois devant un télescope, donc là vous pouvez aller dans les télescopes qui sont un peu partout sur la map, donc soit à la Maze Bank, soit ici sur la plage, donc tout ça marche. Donc pour ceux qui connaissent pas la manipulation, il faudra juste courir et spammer flèche de droite. Donc si vous avez bien réussi, donc là vous aurez plus de masque, c'est parfait. Donc là vous allez juste équiper votre tenue camo vert. Donc une fois que vous l'avez équipé, donc là vous allez juste vous éloigner du télescope. Donc ça va dupliquer le masque à gaz tout simplement. Il faudra juste aller sauvegarder la tenue. Une fois que vous avez sauvegardé votre tenue, donc là on est devant une animation. Donc là vous allez vous rendre dans n'importe quelle animation de la map. Donc là tout simplement pour le petit glitch, pour avoir le torse invisible. Donc là on va aller dans Start, en ligne. On va aller dans Activité, Joue Activité, créé par Rockstar. On va aller dans les missions et on va lancer un travail de titan. Une fois dans l'activité, donc là on va faire confirmer paramètres et on va lancer en solo. Une fois que vous avez spawn dans l'activité tout simplement, donc là si vous voyez vous avez le torse totalement invisible. Donc moi j'avais un t-shirt bleu, si vous avez un t-shirt noir, un t-shirt jaune, il sera totalement invisible. Donc ça change rien d'avoir la couleur du t-shirt. Donc là on va aller tout simplement dans l'amination et on va aller sauvegarder cette tenue pour la garder tout simplement. Donc là on va aller dans camo vert, on va là écraser les données tout simplement. Donc là c'est parfait, donc là on devra juste aller quitter l'activité. Alors, donc là vous avez spawn sur la session, donc là vous avez toujours le torse invisible, donc c'est parfait. Donc là tout simplement on va re-sauvegarder la tenue pour être sûr qu'on on a bien sauvegardé la tenue. Donc là dès qu'on a fait ça, donc là on va aller dans les styles accessoires et on va équiper un masque. Donc c'est un masque spécial pour la tenue, voilà c'est celui-ci. Donc crâne serpent clair forêt pardon. Donc là vous l'équipez tout simplement et on va encore re-sauvegarder la tenue une troisième fois. Alors une fois qu'on a équipé le masque, donc là on va faire la même manipulation avec le télescope. Donc là je l'ai raté, on va refaire flèche de droite. On va se rééloigner. Donc il faut bien prendre de l'élan en tout cas. Donc là vous allez courir en tout cas et spammer flèche de droite. Donc là on l'a réussi, donc c'est parfait. Donc là on va faire pavé tactile, style. Donc on va équiper un nouvel accessoire donc qui va rendre la tenue encore plus modée. Donc là on va équiper un casque double jumelle. Donc c'est celle-ci, les jumelles pinceaux. Donc les jumelles pinceaux, vous pouvez les acheter dans un magasin de masques, pardon. Un magasin de vêtements, pardon. Je me suis trompé. Donc là on va lever la visière tout simplement. Ça va rendre mieux à la tenue. Donc là on va juste s'éloigner du télescope en tout cas et ça va dupliquer les jumelles avec le masque. Donc là une fois au magasin, donc là on va encore sauvegarder la tenue avec les jumelles. Donc là c'est parfait. Donc là on va aller dans les tenues de vol, donc on va équiper vol combinaison de vol, donc la première en verte. Une fois que vous l'avez équipé tout simplement, on va se rendre à un club de striptease. Alors une fois au club de striptease, donc là on va rentrer tout simplement, on va s'arrêter juste ici à moitié.
Donc là, on va aller dans les styles tout simplement et on va équiper notre nuque camouflage vert. Une fois que vous l'avez équipé, vous allez tout simplement sortir du club de striptease. Et vous allez voir qu'il y a un tuyau qui va apparaître sur vous, donc c'est le tuyau de la tenue de vol, et il faudra juste aller re-sauvegarder. Alors là, on va juste sauvegarder la tenue une fois de plus. Donc moi j'ai une tenue spéciale, donc c'est une tenue spéciale avec des lunettes infrarouges. Donc regardez, c'est les grosses lunettes là qu'il a sur les yeux, donc ça c'est des lunettes qui sont totalement buggées. Donc moi en fait juste je sélectionne cette tenue et en fait si je monte, ça va dupliquer les lunettes sur toutes mes tenues en fait. Donc là on va monter jusqu'au camo vert. Donc là c'est parfait, on va, vous voyez, j'ai des lunettes infrarouges tout simplement. Donc là vous allez l'équiper et vous allez re-sauvegarder une fois de plus. Donc c'est une technique spéciale, donc ça sert à rien de me dire en commentaire ouais j'ai pas cette tenue etc. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc vous inquiétez pas. Donc là on va passer à la suite tout simplement. Alors pour avoir le sac de braquage sur sa tenue camouflage, donc là vous allez équiper une tenue avec le sac de braquage. Donc moi ça s'appelle zèbre. Donc moi je l'ai déjà équipé sur moi, donc c'est une tenue zèbre simplement avec le sac de braquage derrière. Donc là on va essayer de dupliquer le sac de braquage sur notre tenue camouflage. Donc là il faudra juste prendre de l'altitude avec un véhicule. Donc moi j'ai la Oppressor MK2 qui me facilite la tâche tout simplement. Donc là vous allez juste prendre de la hauteur, donc vous pouvez faire ça avec un hélicoptère ou un avion. Donc il faut juste un véhicule où on peut avoir le parachute. Donc là vous allez sauter, vous allez directement activer votre parachute. Vous allez dans style en tout cas et vous allez mettre votre nuit de camouflage. Donc une fois qu'il va atterrir, il va enlever son épaule droite du parachute. Donc là vous allez spam croix quand il enlève son épaule droite. Et ça va dupliquer le sac de braquage. Donc là, on peut plus sauvegarder les tenues. Donc ça a été patch tout simplement. On peut plus aller sauvegarder les tenues dans les magasins. Donc moi, j'ai trouvé une petite technique spéciale pour sauvegarder la tenue, même si on peut pas rentrer dans les magasins. Donc on s'y trouve tout de suite au magasin de masques. Donc là, pour sauvegarder tout simplement le sac de braquage, donc là, tout simplement, il vous faudra un véhicule. Donc moi, j'ai la Oppressor MK2, donc c'est parfait. Donc là, il faudra juste prendre de l'altitude avec ce véhicule. Donc il faudra aller devant le magasin de masques pour sauvegarder la tenue. Donc là vous prenez pas mal de hauteur. Donc là c'est parfait. Donc là vous pouvez sauter, activer directement votre parachute. Donc c'est très important de suivre la manipulation. Alors là vous allez descendre au niveau du magasin de masques. Donc là moi je vais tenir L1 R1. Donc là vous allez faire en sorte de vous cogner contre le parasol au-dessus du magasin de masques. Donc là c'est parfait. Donc là vous allez vous avancer vers le magasin de masques. Donc là vous allez spammer flèche de droite. Donc si vous êtes bien dans le menu, donc là c'est parfait, il faudra juste sauvegarder la tenue. Si vous avez bien réussi le glitch et vous allez dans style et vous équipez votre tenue camo vert, vous allez voir que le sac de braquage apparaît. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Mettez une petite note sur 10 sur la tenue tout simplement, donc moi je la trouve magnifique cette tenue, elle est extrêmement belle avec le sac de braquage. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas à la chaîne. Donc là, moi, je vous laisse, c'était Zaiter et à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao l'équipe.